Comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, c'est vers 10 ans que Sylvie a noué ses premiers fils pour en faire des bracelets. Sans le savoir, une passion pour le macramé était née, oubliée pendant quelques décennies et ressurgit il y a un peu plus d'un an. J'ai participé à un atelier créatif pour réaliser un porte-plante, donc c'est le grand classique en macramé, le porte-plante. Et puis là, voilà, ça a été de nouveau la flamme qui est revenue et j'ai plus jamais arrêté depuis et je me perfectionne voilà, tout le temps et j'adore. Toi, toi, mon toit.